Débrief toute cette semaine avec la rédac, on a décidé de vous parler du meilleur et du pire des élections législatives. En surfant sur la toile alsacienne, on vous a déniché quelques perles du côté de nos candidats. On commence avec Eric Schulz, candidat Europe Écologie Les Verts, qui, pour être raccord avec son parti, promène sa suppléante dans une brouette vraiment moderne. Nicole Thomas, candidate UMP, elle adore porter du rose. Mais est-ce que quelqu'un lui a dit que c'était pas tout à fait la couleur de son parti ? Être sur Facebook, c'est bien, mais savoir le maîtriser, c'est encore mieux. Francis Hillemeyer, candidat UMP et nouveau centre sortant dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, a été victime d'un de ses amis qui ne voulait pas que du bien en postant cette photo. Elle s'appelle Clarisse Chabot, c'est la plus jeune candidate de France, elle est socialiste, elle a le culot de la jeunesse et le décolleté qui va avec. Et enfin, on pensait récupérer Laurence Ferrari sur Alsace 20, mais bon, elle est un peu chère. En revanche, si vous êtes du côté de Wissembourg ou de Wörth, vous pouvez toujours aller voter pour Laure Ferrari. À défaut d'être assise sur un plateau TV, elle est debout la République. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour suivre les aventures de ces élections législatives. Salut !